service Polo D'air, je peux apporter capillaire, bonjour. Bah je viens pour l'annonce de coloc. Ouais, c'est bien ici, mec. Et ça, c'est une sonnette, pas un interphone. En fait, je suis juste à côté de toi. Sandar. Rico. D'accord. Eh bien, c'est par là. Bienvenue à la mitrine, mec. Ici, on est dans d'anciens abattoirs. Je sais, dit comme ça, ça donne pas trop envie. Mais tu vas voir, c'est une vraie boucherie. Ouais, ça a l'air sympa. Mais où se trouve la chambre? Attends, mon petit pote. Faut d'abord que tu passes le test des trois d'Apache. Les trois que quoi? Les trois que quoi? Les trois que quoi? Les maîtres omnipotents de ce lieu? Michel, du haut de l'Olympe, bienveillant, il s'organise les plus grosses têtes du monde! Tu parles des autres colocs? Ouais, les autres colocs, ouais. Putain, mais... Écoute, tu m'as l'air vraiment sympa. J'espère que tu vas rester. Mais c'est pas moi d'en décider, hein. T'as pas ton mot à dire, toi? Pas du tout, pas du tout. Moi, je squatte le canapé. Je peux pas tout faire. C'est pas facile comme ça. Vas-y, tu peux y aller, hein. C'est là-haut. Allez, c'est la mèche. Oui. Game over. Bonjour, jeune étoile. Qu'est-ce que je fous là? Prends donc place. Alors te voilà enfin, prétendant à la renaissance. Ici, tu vas pouvoir ouvrir tes chakras tantriques, en osmose avec Gaïa. Ouais, enfin, c'est surtout une chambre que je recherche, en fait. Je m'appelle Cascara. Appelle-moi Cascara. Je suis apparu sur cette terre pour la première fois sous la forme d'un petit coquillage. Ouais, tout le monde peut changer, hein. Je me bats activement, quotidiennement, pour défendre cette planète. Et je lutte avec une rage incommensurable pour la défendre. Tu veux une tisane? Avec plaisir. Dis-moi, tu m'aiderais pour mon travail? Tu sais tricoter? Voilà, c'est parfait. Avec ces 5 pulls qu'on a tricotés chacun, nous n'aurons pas froid pour lutter contre l'industrie textile, les plus gros pollueurs de la planète. Super! Tu pourrais me rappeler pourquoi est-ce qu'il fallait qu'on le fasse à poil déjà? Salut! Moi c'est Buck, t'es le nouveau coloc, c'est ça? Allez, suis-moi, je vais te faire la visite. Tu peux y aller, crapaud céleste. Ok, alors voilà mon univers. The place to be, je t'en prie. Et sinon, tu viens d'où le nouveau? Du sud, enfin nulle part. Ouais, ok, d'accord, je vois. Tu veux pas trop en raconter sur ton personnage? Pas de soucis. Mais tu sais quand même que t'es là pour une série. Une série? Comment ça? Allez mec, sérieusement, pas à moi. On est dans une fiction. Le cadre là, tu le vois, non? Eh ouais, tout est faux, mec. D'ailleurs, excuse-moi, mais dans le rôle du nouveau coloc, t'es pas franchement crédible. Attends! Tu crois qu'on joue dans une série? Tu crois qu'on joue dans une série? Tu crois qu'on joue dans une série? Oh, l'acteur de merde! Bah! Ok. Je vais te le prouver, regarde. Waouh! Un sombrero! Mon préféré! Comment tu fais ça? Je te l'ai dit, on est dans une série. J'ai quand même l'impression d'être le seul à m'en rendre compte. Le seul. À voir cette réalité de pacotille. Cet ersatz de vie. Pauvre Mindy. Mais je te rassure, je m'en sors bien, j'en ai même fait un atout, je suis devenu magicien. Enfin, entre autres. Tiens, voilà ma carte. Tu m'as l'air plutôt barré comme mec. Ouais, complètement. Et crois-moi, débarjo ici, t'as pas fini d'en croiser. Mais si tu veux devenir membre d'honneur de la Sainte Mitrie, faut d'abord que tu croises Picto, le dernier coloc. Allez, c'est parti. Voilà, c'est la chambre de Picto. Bon, tu vas voir, il est un peu spécial, mais ça devrait bien se passer. Bon, c'est quand même lui le plus compliqué à vivre ici, mais... T'as une tête de winner?
Ça va bien se passer. Allez, c'est parti. Ah. Bah, il est pas là. Bah, j'ai ramené de la bière. Cool. Apéro ? Allez. Non mais voilà, le truc pour avoir un putain de bon canapé, c'est le temps que t'y as passé, c'est tout. Moi, mon grand-père, il a mis des années à façonner le sien. Bah maintenant, c'est une seconde peau pour son cul. Ça fait trop mal que je cherche. Moi je dis que la prod aurait quand même pu nous enfiler des plus confortables. Non, il est cool ce canapé, je me suis jamais senti aussi à l'aise. Il est un grand. Soyons heureux que ces dimensions aient pu franchir les portes. C'était foutu porte. Ça aurait été tellement plus cool de pouvoir tout rentrer. T'inquiète. Enfin bref, l'important c'est quand même pas le canapé les gars. C'est d'avoir un petit coin pour poser son cul et boire des mousses avec ses potes, non? Ouais, carrément, je pense qu'on va bien s'entendre là-dessus. Mais le dernier coloc, il ferme toujours sa porte à clé. On n'a jamais vu son antre. Il est un peu parano, tu vois. Il croit genre en un immense complot visant à imposer les effets spéciaux numériques dans les blockbusters américains afin d'habituer les gens aux images de synthèse et de les enfermer dans une bulle virtuelle dont ils pourront jamais s'échapper. Il est un peu cinglé quand même. Enfin, c'est ce que je pense qu'il pense. Ouais, il est totalement givré. Yo! Alors les gars, ça danse le limbo dans l'hyperespace? Bon, alors tu veux venir habiter ici? Ouais, c'est ça. D'accord, et quelles sont tes qualités en tant que colocataire? Et c'est un entretien d'embauche? Mais pas du tout. Redresse-toi. Sache d'ailleurs que 73% des entretiens d'embauche sont voués à l'échec. Eh bien, dans ce cas, heureusement que c'en est pas un. Ça sera pas un si je le décide. Bon, et sinon, niveau corvée, est-ce que tu fais ta part? Je sais pas, vaisselle, ménage ou courses? Les courses? C'est ma grande passion. Ok. On va faire un petit test, toi et moi, d'accord? Je vais te dire une série de mots et tu me dis la première chose qui te vient à l'esprit. Prêt? Partez. Non, attends, qu'on commence quand même, hein. Top, chaussette. Sale. Une vache. Hamburger. Soirée déguisée. Beuvry. Tata. Yo-yo. Panda. Hamburger. FBI. Maman. Pokémon. Chasse à court. Hein? Tolérance. Ok, c'est bon. Du chocolat. D'accord, stop, c'était fini en fait. Bon, c'est bien, t'as un bon profil, hein, ça me plaît. Même si c'est vrai que je décèle un esprit rongé par le désir de vengeance et une prédisposition violente au... Oh merde! Oui, c'est bien, tu suis, très bien. Bon, écoute, est-ce que t'es toujours ok pour louer? Bah, je t'avoue que j'ai pas trop d'autres plans dans cet arbre, donc... Alors, viens, je te protège, on y va, je vais te montrer la chambre. Tadam! Voilà, tu vois là, t'as des... Hop. Tadam! Wow, putain, merci les mecs! C'est trop cool ici! Une guitare, un ampli, un poster de les notes! Ah, où est-ce que oh, 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 où est-ce que oh, oh, qu'est-ce qui se passe ici? Mais quoi? Il est là-bas, où est-ce que bah oui! Je lui ai fait une tisane. Eh oui! Si tu veux rejoindre la mitrie, inscris-toi à notre grand jeu concours et tu remporteras peut-être un accès royal à cette merveilleuse résidence. Allez, ciao les losers!